Et salut tout le monde, c'est Benjamin et bienvenue pour une nouvelle vidéo Passé, ce sur n'est que faire Mortal au Kombat moment 1 de où traître. on reprend le combat avec Limei. Oh, bien joué ça. Ça c'est stylé. Ça se passe bien. Et on gagne. Elle est dynamique et tout. Ah, elle est cool la manière. Elle est rapide et tout. Les enchaînements sortent plutôt facilement. Voilà. Toi et tes complices, vous allez être jugés, Reiko. Alors vous allez voir que j'ai récupéré plein de sous pour le sanctuaire. Il faut partir. Les renforts je pense que je peux ouvrir arriver. Presque 8 coffres à mon avis. Donc ça pourrait être intéressant. Espérons qu'on va débloquer des nouvelles skins pour des personnages qu'on ne joue pas. Mon main du coup c'est Smoke, hein. Je vous le dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je vous le dis. La nouvelle de son arrivée t'a précédé. Si tu tiens vraiment à la vie, tu dois te rendre. Laisse-nous passer, Tanya. L'impératrice et sa famille sont en danger. Il vient nous avertir d'un complot de Shang Tsung et du général Shao. Le général Shao? Es-tu si crédule pour croire de pareils mensonges? Une fois de plus, tu t'avères incapable de protéger la famille royale. Fight! Oh 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 oh! Je sens mal. Tout à l'heure je faisais nappe, ça marchait là. Parfait. Oh, c'est stylé de ouf. Kraouk. Nous perdons un temps précieux, Tanya. J'arrive pas à faire quelque chose de ces trucs. Désolé, tu ne m'as pas laissé le choix. Fossaï! Pas très très fluide la cinématique là pour le coup. Vous me connaissez. J'ai accompli des exploits à vos côtés. Je ne suis peut-être plus la bienvenue. Mais dans mon cœur, je suis encore une Umgadi. J'honorerai toujours mon serment. Il est venu ici pour protéger l'impératrice. Si vous nous affrontez, elle perdra le trône.
Mais si vous nous aidez, nous pourrons sauver l'Empire. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué ? Alors ça... Parce que nous ne te voulons aucun mal. Et te laisser en vie nous aidera à le prouver à l'impératrice. Comment oses-tu, Limei ? Laisser mourir Jerod ne t'a pas suffi ? Tu comptes laisser Liu Kang tuer le reste de ma famille ? La mort de votre époux m'a brisé le cœur. J'ai non seulement perdu mon empereur, mais aussi vous, qui étiez ma plus proche amie. Vous ne me pardonnerez sans doute jamais. Mais ne laissez pas la colère et le chagrin vous aveugler. Nous sommes là pour vous aider. Non, ma vie. Ta maladie. Je trouve ça dommage que Sindel et ta déloyauté me sidère, Limei. Le Limei et Milena sont très proches physiquement, je trouve. Et de l'outre-monde. Et même au niveau du code couleur. Oh, j'ai failli faire un perfect. Non. Oh, quel dommage. Regarde un peu les techniques. Ah. Oh. Mollo l'astico. Oh bah là du coup je vais l'aider. Marave. Parfait. Princesse. Soyez raisonnable. Non, Milena. Je l'interdis. Je le dois. Si je ne risque pas ma vie pour le trône, c'est que je n'en suis pas digne. C'est moi qui vous ai appris cela, princesse. Vous n'étiez qu'une jeune fille. C'était il y a longtemps. Depuis, tout a changé. Pas ma loyauté envers votre famille. Faites-moi confiance comme vous le faisiez alors. J'aime beaucoup Milena sans ses problèmes en vrai. Princesse, je vous supplie de m'écouter. Nous ne devrions pas nous battre. Pardonnez-moi, princesse, mais je ne vous laisserai pas vous blesser, ni qui que ce soit d'autre. Vous blesser ? Dit-elle en lui mettant des grosses droites dans la gueule ? Ça, c'est stylé. Parfait. Je ne dois pas la blesser. Ah.
stylé. Eh ben parfait, on a récupéré plein de trucs. La peste fait de nous tous des victimes. Sois Argus. Merci. J'ai une dette envers toi. Votre Majesté. Non, entre amis, il n'y a pas de dette. Je suis heureux qu'elle aille bien. Et que notre conflit soit terminé. Interrompu, pas terminé. Limei a mérité mes bonnes grâces. En revanche, ce n'est pas encore ton cas. Je ne cherche que la paix, Majesté. C'est pour ça que tu envoies tes sbires en mission secrète dans mon empire. Tu as prouvé que tu étais l'ennemi contre lequel on m'a mise en garde. Je comprends votre colère. Mais j'avais des raisons de croire que Shang Tsung nous menaçait tous les deux. Tant que je n'en étais pas sûr, je ne souhaitais pas vous faire part de mes soupçons. Et donc ? Mes soupçons sont réels. Shang Tsung, Quan Chi, le général... Ils conspirent pour conquérir nos royaumes. Une grave accusation. Où sont tes preuves ? Au laboratoire de Shang Tsung. Si ce que vous y voyez ne vous convainc pas, le royaume Terre capitulera sans se battre. Comment ai-je pu me tromper à ce point ? Shang Tsung s'est livré à de telles turpitudes. Avec l'accord du général Shao, je me suis trompé sur leur compte. Malgré mes efforts, ni eux, ni Quan Chi ne sont à la place qui était prévue. Ils viennent de l'outre-monde. Tu n'es pas responsable. C'est moi qui ai façonné leur destin, ainsi que celui de tous les êtres vivants, à l'aube de l'histoire. Tu as créé les royaumes ? Ton esprit serait-il confus, demi-dieu ? Je ne suis qu'un demi-dieu. Il y a des millénaires, j'étais plus puissant que tous les dieux anciens réunis. J'étais un titan, et le gardien du temps. Voici Geras. Votre Majesté, vos Altesses. Geras est le gardien du sablier. Le sablier est un objet céleste au-delà des royaumes. Il régule aussi bien le temps que le destin. Lorsque j'en détenais le pouvoir, je devais façonner l'ensemble de l'existence. Je l'ai fait en réinitialisant l'histoire. Réinitialiser ? Ce continuum a été précédé par des milliards d'autres. Mais il est le premier à avoir été conçu par Liu Kang. Les précédents l'avaient été par sa prédécesseur, Kronika. Kronika était obsédée par l'équilibre du bien et du mal. Lorsqu'un continuum évoluait dans un sens ou dans l'autre, elle y mettait fin et réinitialisait l'histoire. Elle jouait avec les vies et les événements dans l'espoir d'atteindre son équilibre idéal. Dans d'autres continuums, Kronika avait offert à Shang Tsung et Quan Chi les magies les plus viles. Shao n'était pas général, mais un souverain tyrannique avide de conquête. Vous, Sindel, étiez son impitoyable épouse. Vous étiez prête à tout pour conserver vos privilèges. Quand j'ai pris le sablier à Kronika, j'ai juré de faire mieux. Dans ce continuum, les sorciers ne pouvaient jouir de leur pouvoir. Shao devait être votre serviteur. Et vous, vous deviez mener l'outre-monde d'une main ferme, mais juste. Mais quelqu'un a porté atteinte à la création de Liu Kang. Shao, Shang Tsung, Quan Chi. Ils ont tous été influencés par une entité inconnue,
et sont redevenus les traîtres qu'ils étaient dans les continuums précédents. Par où commencer? M'agenouiller devant mon créateur? Dois-je te vouer un culte? Non, Majesté. Ce rôle m'a été dévolu seulement par les circonstances. Je ne suis en aucun cas divin. Tu avais l'emprise sur la création tout entière, et tu y as renoncé. J'ai vu ce pouvoir rendre Kronika folle. Je savais que je connaîtrais le même sort en le gardant. On va se battre contre Shao. Toi, comment oses-tu conspirer contre l'outre-monde? Pas contre l'outre-monde, contre les erreurs de votre règne. Votre déférence envers lui fait de nous ses vassaux. Alors tu approuves de pareilles horreurs? Tu me caches les menaces qui pèsent sur nous? À cause de toi, le sang des Terriens est déjà sur mes mains. Et ce sang a été versé sans la moindre raison. Ne bougez pas. Impératrice, vous tous, reculez. Qu'est-ce que c'est? L'amulette de Shinnok, une arme au pouvoir terrifiant. Elle ne devrait pas exister. Son créateur n'a plus de pouvoir comme l'entendait Liu Kang. Encore une preuve d'une interférence externe. Assez bavardé! Inclinez-vous devant le nouvel empereur de l'autre monde. Lâche cette amulette. Son pouvoir est bien trop puissant pour toi. Penses-tu vraiment que je livrerai bataille sans maîtriser mes armes? Je suis plus que préparé. Le général Shao a rallié alors, les ennemis de l'autre monde pour me vaincre. Elle a aspiré. Cet idiot n'aurait jamais dû s'allier à cette vermine. Fight. Elle a aspiré il a aspiré, je vais y arriver, Milena, Kitana, et j'ai l'impression que c'était Tanya aussi. Ça lui sert à rien en vrai. Oh le bâtard! Je prends cher là! Peut-être même mourir. Cité de Shang Tsung. Bien dit ça. Tanya et vos filles, elles sont en vie mais piégées dans l'amulette. Nous pouvons les sauver. C'est qui? C'est Ren qui a le truc? Je
vrai, Ico. Surprise que tu sois impliqué dans la trahison de Shao. Tu dois savoir que ça te coûtera la vie. Une vie que je lui dois mille fois. La sacrifier à son service serait un honneur. Il est à chier, Reiko, j'aime pas trop en vrai. Il a un skin de genre de Robin, quoi. Cri, commandement de l'arène, ah ouais. Oh le bâtard! Reviens là! Shao t'a trompé, mais tu es tout de même coupable. Tu répondras de ce crime. Parfait. Ta rébellion est vaine. C'est ta trahison qui me blesse le plus. Je te voyais comme un fils. Je vous ai surpassé, impératrice. Shang Tsung m'a appris que j'avais à peine effleuré la surface de mon pouvoir. Pour l'explorer, je dois me libérer de vos limites. Bah allons-y, hein. Parfait. Tu m'en as appris bien plus que tu ne le penses. Je vais te montrer. Parfait, il me reste un combat. Et après, on va ouvrir des coffres. À mes yeux, tu es déjà mort.
Votre règne est terminé, Sindel. Je me souviens du jeune garçon chétif que tu étais. Des efforts de ton père pour te permettre de dépasser tes faiblesses. Et tu le remercies en crachant sur ses idéaux. Ta révolte va à l'encontre de toutes ses valeurs. Fight. Normalement, Sindel, elle meurt. Hein. Si on suit la logique de différents scénarios. Parfait. Elle est pas mal hein, Sindel, hein, sinon. Enfin, j'aime pas trop le perso. Enfin. Je trouve un poil trop chiante à jouer. Comme à chaque fois, elle est un peu flottante. Flottante, entre guillemets, quoi, mais je trouve que sa panel de coups est pas très intéressante. Pas très rapide et pas très fort non plus. En mettant une grosse tannée. Parfait. Tu es déchu, général. L'amulette, majesté. Ah, il y avait Garrus aussi. Je suis désolé, mais nous devons faire vite pour sauver le royaume Terre. Est-ce là un ordre de mon créateur? Non, majesté. Ce n'est que la prière d'un ami. Smoke! Ah, Milena. Toujours aucun mort, hein. Nous sommes prêts. Et les voleurs d'âmes? Qu'ils restent actifs. Je suis sûr que nous saurons quoi faire des âmes récoltées. On est au chapitre 12, il y a 15 chapitres. Donc il nous reste 2 épisodes, sachant que... Ah, peut-être un peu plus. Sachant que du coup, le... Merde. Le 15ème. Le chapitre 15, il comporte 13 chapitres. Ce qui est beaucoup. Correspond à peu près à 3 chapitres, donc je suis même pas sûr qu'on y arrivera en un seul épisode à faire le dernier chapitre. Sauf s'il y a des tests Your Might qui prennent 2 secondes, quoi. Rendront-ils les armes si on leur ordonne? Non, ce sont les plus fidèles lieutenants du général. Si nous voulons arrêter les voleurs d'âmes, nous devons les neutraliser. Oui, en effet, nous devons nous séparer. Oh là là, Ermac. Ermac, c'est obligé, il devait être dans le jeu, bordel. C'est pas possible autrement. Hein. Il devait pas être en DLC. Ils l'ont mis en DLC alors qu'il devait pas y être. Par contre, là, c'est stylé. Ah, tout ça pour ça. Foutre Ermac en DLC alors qu'il est autant présent dans l'histoire. Que se passe-t-il? M'écoute. Je crois qu'elles sont cassées.
Amenez-moi. Non, Tanya, reste à terre. Cette fois, c'est moi qui te protège. Nous sommes Ermac. Il serait vain de nous résister. Approche-toi encore, et tu goûteras à mes lames. Nous sommes nombreux. Tu es seul. Vos âmes rejoindront notre collection. Fight. Et ben c'est à ce moment-là que nous arrêtons, encore une fois, l'épisode. 30 minutes, et ben écoutez, on a largement le temps d'ouvrir le contenu du sanctuaire. Regardez, 8000 pièces. On va pouvoir en ouvrir 8 pour clôturer l'épisode. Toujours autant... Oh, une palette de couleurs pour Smoke. Enfumage plutôt sympa. Pourquoi pas. Plutôt encore emballé par rapport à ce que j'observe dans l'histoire. C'est plutôt cool encore une fois. Je regrette juste qu'il n'y ait pas d'événement majeur. Alors tout est très intéressant, mais des environnements. Palette de couleurs pour Shao. Ça va, aujourd'hui ça se passe mieux que la dernière fois. Ça reste des palettes de couleurs, hein. C'est pas non plus des skins. Des nouveaux skins. J'ai l'impression que le nouveau skin, je l'ai eu pour Sindel à la première boule, mais vraiment par hasard, quoi. Truc de fou. Oh, un équipement de Raiden légendaire. Ça c'est stylé. On va voir pour l'équiper d'ailleurs. Ça m'étonnerait que maintenant j'ai encore du légendaire. Hein. Bon, j'ai du commun en artwork. Je pense que ça va s'arrêter là au niveau des drops. C'est à peu près 10% je dirais que légendaire. Non, peut-être même moins que ça, hein. 5%. Comment, encore un artwork dégueulasse. Et du coup, le dernier. Et du coup, un chapeau, deux skins, deux palettes de couleurs, des artworks et encore des artworks d'environnement. Bon, écoutez. Pas spécialement très intéressant. On va aller voir ce chapeau de Raiden. Ce que ça donne dans la partie customisation. Et je vais aller voir aussi pour Smoke sa palette de couleurs. Je vais y aller même tout de suite. Ça c'est le blanc. Et le Epic. Ça fait un peu reptile. Pas fan. On va l'équiper quand même. Ça fait un peu reptile quoi. On va aller voir Raiden. Raiden qui a un chapeau normalement légendaire. Fierté du royaume terre. Je suis pas fan en vrai hein. Je préfère les trucs communs hein. Ouais.
peut le laisser comme ça, Raiden. J'ai même pas de palette pour... Bon, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. À très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.